Voilà. Et je sens que Régis, en répétant que votre pièce Les Menteurs se joue au théâtre de la Porte Saint-Martin, ne soit pas menteur. Que penses-tu de la jeune fille qu'on va voir maintenant ? Elle est extraordinaire, elle s'appelle Cataline. Elle est hongroise. Oui. Alors, son numéro s'appelle La magie des gants. Alors, bon, faut bien garder ses mains. C'est une fille qui enfile des gants, en fait. Oui, oui. Hein, apparemment, comme ça, bon. Mais tu veux pas le dire en t'énervant un peu. J'aime bien quand t'appuies sur les mots. Tu sais, pas comme tout le monde, quoi. Tu sais, quand tu fais... Elle s'appelle... Fais le fort, comme ça. Fais le fort pour que tout le monde t'entende. Allez, vas-y. Elle je s'appelle fais fort, quoi. Mais fort. S'appelle Cataline. Elle s'appelle Cataline. Voilà. Elle est hongroise. Et elle enfile des gants. Là, c'est une imitation de moi. L'imitation de ceux qui t'imitent. Oui, voilà. Et elle enfile des gants. Et elle enfile des gants. Plus vite que nous. Allez, c'est bien comme ça. Merci les enfants, merci. Théâtre de la Porte Saint-Martin, Les Menteurs. Et Cataline pour vous. Suivez bien ses mains.
Cataline. Et Michel Leb est bouleversé. Bouleversé. Je crois qu'il a regardé plus la jeune fille que le numéro. Il se rappellera même pas que c'est une magicienne. Ça, c'est pour moi. Merci, Cataline. Ben oui, c'est pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette jeune fille, quand elle était toute petite, elle me l'a avoué, elle a à peine 20 ans, et ben elle regardait le cabaret et son rêve, c'était de se retrouver sur ce plateau ce soir. Donc, si vous êtes très gentils, mes enfants, faites-la revenir pour qu'elle savoure un tout petit peu plus son rêve qui a été de se présenter sur ce plateau. Voilà. Eh bien, ça fait toujours plaisir. Et comme on est ce soir entouré que de jolies femmes, je dis bien que de jolies femmes, faites un triomphe à Vanessa Lebrun.